Voilà, sur le terrain, il me reste une petite heure, trois quarts d'heure de soleil. Rébellion du GPS là qui veut pas marcher. Je pense que j'ai beaucoup de débattements, on va bien voir ce que ça donne. Il faut que je réduise les débattements, mais alors vraiment énormément. Donc là, je suis en mode angle. Les dépotements, il faut que j'en enlève un wagon. Par contre, en angle, il vole à plat. Comme la carte de vol est posée à zéro, c'est bon. Il faut que je fasse attention à ne pas aller trop loin parce que les deux petites lumières, elles sont un peu symboliques. Réduire la course là, mais je suis déjà à fond, donc c'est réglé. Je vais le brancher dans les naves et on va affiner les réglages. J'ai fortement réduit les débattements des deux ailerons, de la profondeur, réduit les gains aussi. J'ai enlevé un sacré paquet. Il va être un peu moins nerveux là. J'ai pas trouvé la raison pour laquelle le GPS ne voulait pas marcher. D'avoir un problème de fil, c'est pas au niveau du logiciel. Donc là on voit qu'on peut pas armer. Donc on fait comme ça une dizaine de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il est vif, il ne faut pas mettre trop de gaz. Pour l'instant, il s'en sort pas mal. Avec les PID bien plus calmes que tout à l'heure, ça va mieux. Là, je suis un petit peu face au vent. Ah, mais je voulais faire un record de vitesse, mais sans le GPS, ça va être difficile. Tant pis, un peu de gaz, on va pouvoir savoir les ampères. Ampères, c'est ça, chaque moteur tire à peu près 15. Alors ça met déjà bien à genoux le petit 4S1000. Pour l'instant, très content de l'avion, là il y a vraiment une petite brise, il se fait pas trop trimballer, il est bien stable. Je vais pas aller trop loin, je vais pas tenter de diable. Il est bien réactif, il a tendance à rebondir sur les ailerons quand je lâche le truc, donc il y a encore trop de débattement. Je vais le monter un petit peu plus haut et puis je vais essayer de passer en mode manuel, voir comment il est réglé. Alors là, je viens de le mettre en manuel, il tient tout droit. Manuel, on n'a pas le rebond, donc il n'y a pas de... Il me reste quelques réglages à faire au niveau des PID parce qu'il est encore super nerveux là, mais il est très sain. Entre l'angle et le mode manuel, il change même pas de trajectoire.
Je vais devoir changer le GPS, avoir quelque chose qui marche. Le lendemain, deuxième séance de test de retour sur le terrain. Donc j'ai fait quelques petites optimisations. J'ai changé la lentille HD, la caméra HD, parce qu'elle avait des flous. C'est une caméra qui était allée dans l'eau sur mon Dart 250. Donc on en avait gardé des séquelles post-traumatiques. Et puis j'ai corrigé le problème sur le GPS. Et le fil avait un faux contact, donc je l'ai changé. J'ai un petit peu arrangé pour pouvoir équilibrer avec un 4S 1300, parce que j'ai vu qu'au premier vol, le petit 1000, il avait un peu du mal à supporter les deux moteurs à plein gaz. J'ai encore réduit un petit peu les PID, les PIFF, parce qu'il était vraiment très vif, donc j'en ai encore enlevé. Alors là, je suis parti avec un lipo qui n'est pas plein. Lipo 14 volts, ça fait pas beaucoup. Dans tous les cas, je vais poser et puis mettre un plus gros lipo dont je suis certain qu'il est chargé. Oh ! Je ne sais pas si c'était une amorce de décrochage ou un top. J'étais un petit peu surpris par la manœuvre. Bonne occasion de tester la résistance. L'aile s'est déclipsée, ça a éjecté les deux capots. Donc ça, ils ne tiennent pas excessivement. En fait, c'est en plus, c'est que le suite derrière, il est tenu par suite devant. Plus grosse lipo. Là, j'avais un 4S1000 et je vais mettre un 1300 qui sont bien plus épais. Donc il va être 50 grammes plus lourd. Il va passer de 400 à 450, donc ça fait un huitième. C'est notablement plus lourd, mais bon, par rapport à la façon dont il a décollé avec à 400 grammes, je n'ai pas de... Pas de raison de penser que ça va poser problème. Par contre, je vais quand même être un peu vigilant. Je vais lui donner une bonne impulsion, mettre un petit peu plus de gaz. Vitesse de pointe, pas délirante, 130, je m'attendais à beaucoup mieux. A pour les deux moteurs, ça fait que 14 par moteur. Avec un KV qui est relativement faible à 2008. Ce sera pas une bête, avec ces moteurs-là, ce sera pas une bête de vitesse de pointe. Alors, j'avais le projet de mettre des IMAX RS 1606 3300 kV comme j'avais sur mon Dart. Alors, par contre, au niveau du silence, il est complètement silencieux, je l'entends pas à plus de... Là, je commence à entendre maintenant à 60 mètres. Alors, comme toujours avec les petits avions légers, c'est pas un grand planeur. Je vais plutôt tester en accro parce qu'en angle il y a la mise à niveau qui parasite.
Hop, les 2000 mètres, c'est suffisant. Cache qui monte assez haut, hein. Je l'ai réglé assez haut à 150 mètres, c'est plutôt pour anticiper les sauts de colline, les sauts de montagne. Voilà, 150 mètres. Et puis après, une fois qu'il est à 150 mètres, il va revenir en ligne droite jusqu'au point de départ, donc il va descendre tout doucement avec la pente optimale. À la descente. Voilà, c'est ça, 135, difficilement. Sinon, il est vraiment très agile, hein. Il est du niveau de l'Air Mini. Il est même plus agile que le Dart 250 qui ne peut pas voler aussi lentement. Là, on a la sécurité du bimoteur qui. On peut aller à assez basse vitesse et puis remettre un coup de gaz. Un super petit avion, ça va bien compléter ma flotte là maintenant. Je vais faire un dernier passage au-dessus de la caméra, je vais essayer de ne pas me rentrer dedans ni moi ni la voiture.